Peut-être pas. Peut-être pas. Je peux te rattraper si tu veux. Hein, ou je peux te laisser partir avec l'ambulance si tu es d'accord. Ouais. Mets les pieds ensemble. Hop, et à partir de maintenant, tu vas rester au moins les pieds bien ancrés, les jambes bien stables. Peu importe ce qui se passe, tu vas toujours garder ton équilibre. Le truc, tu pourras laisser aller. Je suis assez costaud pour te rattraper, je pense. Si pas, il y a des gens pour m'aider. T'es d'accord, on y va? Ouais, ok, voilà. Alors, tu me donnes la main, hop, tu poses la main sur la mienne et tu vas regarder cette barrière. Et tu remets les pieds ensemble si tu veux bien. Tu couches quand même. Tu vas arriver. Ok, et tu vas commencer à pousser. Allez, pousse. Complètement détendu, relaxé. Très bien, et tu vas remonter tout de suite. Hop. Bonne inspiration, ok, voilà. Mets-moi les deux mains si tu veux bien. Ok, hop, toujours bien stable sur l'appui. Hop. Et puis à un moment donné, je vais tirer sur un bras, mais tu ne sais pas encore lequel. Complètement détendu, relâché, tu vas aller de plus en plus profondément. Et maintenant, tu remontes. Hop, ça ouvre les yeux. Ok, très bien. Je vais te demander de mettre ta main comme ça, ici. Hop, on suit. Tu suis un point. Au moment où cette main touche, tu vas complètement partir loin, profondément. Complètement détendu sur tes pieds. Et hop, ouvre les yeux, tu relâches la main. Ok. Donne-moi une main. Hop, complètement détendu, tu remontes. Hop, bonjour. Mon frère, c'est comment? Ok, d'accord. Hop, très bien. Complètement relâché. Ouvre les yeux, tu reviens. Hop, mets tes deux mains comme ça. Hop, au moment où je retire les mains, les doigts, au moment où je retire les doigts, les mains vont commencer à voir là, très bien comme ça. Ça tire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Hop, si on va pousser, plus tu vas rester stable sur tes appuis. Relâché complètement bien. Voilà, comme ça. Hop, tu peux revenir ici. Hop, ouvre les yeux. Très bien. Expire à fond, expire à fond, expire à fond, expire à fond, expire à fond. Maintenant, tu inspires. Relâchez, c'est très bien, super, tu fais ça super bien, tu donnes un appui. Et tu vas ouvrir les yeux maintenant. Hop, très bien. Je vais te demander de, tu regardes le doigt, hop, fixe bien le doigt, tu vas rester super stable. Hop, tu suis le doigt jusqu'au moment où il touche le front. Et vraiment relâché, super, très bien. Hop, viens appui sur tes deux jambes. Ouvre les yeux, respire un bon coup. Hop. Voilà, ouvre les yeux, lève la tête, pas toujours, toujours cool, hop, demandez de prendre la main, hop, et voilà, tu oublies cette main-là, tu vas suivre mes doigts, hop, juste avec les yeux, hop, voilà, tête dessus, bien, c'est très bien, complètement détendu, relâché, hop, même si le doigt il a claqué, c'est pas grave, tout se passe super, vraiment bien, ouvre les yeux, hop, voilà, très très bien, je vais te demander de me tendre la main, ok, hop, et tu vas regarder à nouveau et tu vas pas rentrer en France maintenant parce que je vais te demander de mettre la main comme ça. Alors, c'est le moment où je descends la main, là tu vas aller de plus en plus profondément, mais pas tout de suite. Là tu remontes, hop, ton énergie remonte. Là c'est plus ou moins normal et là complètement en bas, tu seras complètement en bas. Voilà, très bien. Et tu retrouves tes appuis, super, très très bien. Hop, voilà. Ah. Au moment où tu as récupéré ton équilibre, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. C'est très très bien, super. Et tu profites de ce moment même s'il est très court, parce que maintenant tu t'installes, tu te remets debout, hop, c'est très bien. Ok, super. Ouvre les yeux. Voilà, je vais te demander de regarder. Monte à nouveau. 3, 2, voilà, super. Ok. Prochaine fois que tu entendras le nom, le prénom de Ralph, tu vas repartir encore deux fois plus vite. Hop, si t'es prêt, voilà. Ok. Ouvre les yeux. Ah, déranger. Voilà, toi, c'est David, on sait comment. Très bien, parfait, super. Ok, on va se reposer un petit peu maintenant. Ouais, je vais essayer d'appuyer un petit peu sur toi. Voilà, comme ça. C'est pas une séance câlin, bisounours, mais il a vécu quelques inductions. Sur tes appuis, récupère une position qui est confortable. Et c'est juste toi qui vas décider du meilleur moment auquel tu te reconnectes complètement avec un maximum d'énergie. La façon la plus intégrée, tous les sens, le ressenti, parfaitement remis, posé. Les pieds ancrés au sol, la tête dans les étoiles, comme d'habitude. Bon, ouais. Pour pouvoir prendre une bonne inspiration, même t'étirer, si tu veux.
Et c'est toi qui décideras. Quand ouvrir les yeux. Encore 5 minutes, maman.